Bon, ben me voilà arrivé à Mont-de-Marsan. Alors, comme j'ai dit, ben, je vais faire le petit pont là, passer sur le petit pont et puis prendre le chemin enlacé là qui remonte sur la route de Saint-Pierre-du-Mont là-haut et puis le refaire en descendant. Et après, j'irai voir où se rejoignent la 12 et le Midou. Allez, go! Et c'est parti pour l'ascension enlacée. Ça sur les arbres. On trace pas les arbres. C'est bizarre, on a comme une pisciculture, je vous montrerai de là-haut. Il y a des bassins, ah, les poissons, là aussi. Est-ce que ça soit une piscine à côté? Allez, dernier lacet. Là, il est coriace là. Et voilà. Alors là, il y a les bassins. Hein. C'est Darby. Allez, les truites. Elle filtre l'eau de... Qui arrive, je sais pas où. Allez, on va redescendre. Tant qu'il y a du monde dans le passage. C'est bon, il n'y a personne. Allez, go. Pêche interdite. Ah ouais, c'est là où il filtre l'eau. C'était une piscine, hein. C'est pas une piscine. Pas de conneries là. Allez, dernier lacet. Allez, je repasse sur le pont et après j'irai voir. Je jette les deux ruisseaux. Le Midou et la 12 pour former la Midou. Voilà, donc je vais repasser sur le pont et puis aller là-bas. Bon, je filmerai que là-bas, hein, pour prendre les photos. Voilà, alors là on a le pont, en face on a le Midou. La chute, la cascade, là, sous le pont là-bas, et sur la gauche, la 12. Et ici, là, ben, la Midouze. Voilà, Midouze, qui va jusqu'à Tartas et Bégard. Et la Bégard, elle se jette dans la droite. Et voilà. Voilà, ben, ça sera tout pour aujourd'hui là, hein, les petites rando long du chemin de halage de Mont-deux. Hein.